Salut à tous, bon début de semaine. On se retrouve en ce lundi pour un nouvel entraînement. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à avoir un bon entraînement à faire aujourd'hui. Donc, moi, c'est Annabelle. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous coacher, pour vous offrir un entraînement d'environ 30 à 40 minutes qui va travailler autant cardio que musculaire. Donc, au programme aujourd'hui, c'est un circuit long, donc des intervalles de 50 secondes suivis des pauses de 10 secondes à faire, donc pour une durée totale, comme je disais, de 30 à 40 minutes. En tout temps, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, on est en live, donc vous pouvez me les poser directement, puis je vais essayer de vous répondre aussi là pendant l'entraînement. Bien sûr, commentez sur la page de Kinatech Sport Physio Général pour que je puisse bien voir vos commentaires. Je vais laisser une dernière minute pour que les gens finissent de s'installer. Donc, prenez votre espace, préparez le tout. Aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment besoin de matériel, sauf un tapis pour les exercices qui vont se passer au sol. Mais il n'y en a pas beaucoup, la plupart ont fait ça debout et sans matériel. Également, ayez votre bouteille d'eau proche, toujours une bonne idée. Puis peut-être se faire un petit courant d'air si vous êtes dans un endroit fermé, là, parce qu'il va faire chaud probablement tout à l'heure. Donc, je laisse une dernière et quelques secondes pour qu'on finisse de s'installer, puis je vous explique tout à l'heure. Donc oui, je suis de retour. Donc, la structure de la séance aujourd'hui, donc je crois qu'on va être prêt à commencer. Structure de la séance, on va commencer par un 5 minutes dans un premier temps qui va être notre échauffement pour préparer le corps à l'activité physique qui s'en vient. Ensuite, on aura notre période centrale qui sera les circuits 50-10, donc 50-10 pour 50 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Ils vont être divisés en trois. Je vous expliquais quand on va être rendu là, mais ça va durer 25 minutes environ pour cette section-là. Donc, c'est quand même assez long. Ça va être important de respecter vos capacités tout au long si on veut être capable d'avoir un niveau d'énergie qui est stable, donc de ne pas partir trop vite puis se rendre à la fin ou d'avoir un surplus d'énergie à la fin. Donc, bonne gestion d'intensité qui va être nécessaire. Puis, on aura notre courte période de flexibilité à la toute fin. Donc, pour 5-6 minutes, là, de terminer ça en douceur avec un retour au calme. Donc, voilà, ça va ressembler à ça. Donc, je vous encourage à faire tout l'entraînement avec moi, à me suivre. Et il y aura différentes options proposées pour avoir des intensités plus dures ou plus faciles tout au long de l'entraînement. Donc, bon entraînement tout le monde. On start ça avec une marche sur place. Pour débuter en échauffement. Donc, 5 minutes environ d'exercice d'échauffement. On commence première étape, toujours se rappeler les belles consignes posturales. Donc, le dos droit, les abdominaux légèrement engagés pour avoir un tronc solide. On recule les épaules vers l'arrière, les épaules relaxent, le regard droit devant et on garde les jambes, les pieds environ largeur des épaules. Ça peut être un peu plus large aussi, question de confort, là. C'est à votre guise. Donc, on continue la marche. On va ajouter à ça des cercles avec les épaules. On va vers l'avant. Grande rotation. Les deux bras en même temps. On va chercher des grands cercles. Si ça ne fonctionne pas avec la marche, vous pouvez tout simplement faire arrêter le mouvement des pieds puis construire seulement avec les bras. Et on va dans l'autre direction, vers l'arrière. Des grands cercles encore. En gardant une belle posture. Bien droite.
Et la grandeur des cercles, c'est à votre choix. C'est sûr que si vous savez que vous avez des douleurs, vous êtes sujet à avoir des inconforts aux épaules, ben je vous suggère des cercles qui vont être plus petits à ce moment-là. Okay, on redescend les bras et on va partir avec un piétinement un peu plus rapide. Donc, un piétinement comme ceci sur place. On peut descendre un peu plus bas. Pas besoin de piocher fort, on peut y aller tout petit. On est en intensité d'échauffement pour le moment, donc intensité facile. On va aller chercher un début de chaleur simplement. On s'arrête, les pieds au centre, et on va chercher la fente de côté, c'est-à-dire le pointé de côté. On pointe un pied d'un côté, un pied de l'autre côté, et on va ajouter un bras vers le haut en même temps. Et si ça vous mêle, allez-y, les mains sur les hanches. Et chacun son rythme, évidemment. Je vous rappelle qu'on se fie chacun à sa propre perception de l'effort. Voilà, c'est pas grave si on ne suit pas tout. Encore quelques-uns. Dernière fois de chaque côté. Reviens au centre et on fait les chevilles. On va faire 4 pas sur la pointe des pieds et 4 pas sur les talons. On continue en enchaînant ça. 4 pointes, 4 talons. On fait toujours attention pour ne pas sortir les fesses et quand on marche sur les talons. On va tranquillement pour garder son équilibre. Dernière fois sur la pointe. Dernière fois sur les talons. On complète les 4 pas. Good. Juste me placer de côté pour le prochain exercice. Extension de la hanche. Donc, comme ceci, on va toujours du même côté. Extension. Ça part de la hanche, qu'on serre la fesse, on va faire un kick vers l'arrière tout simplement. Une dernière fois. Et l'autre jambe. On prend son équilibre, garde une petite flexion dans la jambe d'appui au niveau du genou. C'est parti. Juste quelques répétitions, on va chacun son rythme. Garde les abdos bien engagés. Dernière fois. On relâche. On revient, genoux levés. C'est parti, vers l'avant, à la hauteur des hanches. Donc, on garde vraiment dirigé vers l'avant et non trop ouvert, comme ceci. Hauteur et largeur des hanches. Good. On fait quelques répétitions comme ça. Et après, on va continuer avec des genoux levés, mais on va ajouter une rotation du tronc. Donc, un petit peu plus lent, on va rajouter un élément. Donc, on va le partir maintenant. On lève un genou et on va faire comme si on allait porter le coude opposé vers ce genou pour créer la rotation au niveau du tronc. Donc, l'objectif, c'est pas d'aller vite, c'est de bien faire le mouvement. Hein. On veut toujours avoir un mouvement de qualité avant la quantité. Une dernière fois de l'autre côté. Et vous pouvez déposer les pieds au sol. On va faire une flexion latérale au tronc alterné. Puis on va chercher un léger étirement dans les obliques. Et on va faire un dernier exercice pour terminer l'échauffement ensuite. Dernière fois de ce côté et de ce côté. On relâche. Placez les jambes larges. On va faire quelques fentes latérales alternées pour terminer l'échauffement. Donc, on pousse les fesses en arrière comme ça et comme ça. Donc, le genou ne dépasse pas les orteils vers l'avant. Pour ça, c'est important de sortir les fesses pour protéger le genou, pour ne pas créer de douleur. Chacun son rythme, transfère le poids d'un côté à l'autre. Et parfait, on revient. On peut marcher un petit peu sur place pour récupérer de l'échauffement. Donc, à ce stade-ci, on devrait avoir une intensité faible. Petit essoufflement seulement, début de chaleur. Donc, on va tous se prendre une petite gorgée d'eau et après, on commence la grande partie. Okay.
Donc, pour la partie centrale, là, on va aller chercher nos intervalles cardio et musculaires. Donc, comme je disais, c'est des circuits qui sont longs. Aujourd'hui, on a 50 secondes d'effort sans arrêt, suivi de 10 secondes de pause. C'est pour ça que ça va être super important de bien doser votre énergie, de pas commencer trop vite parce qu'on a 50 secondes à retenir. Puis en plus, c'est un entraînement qu'on a pour une durée de 25 minutes. Donc, gardez ça en tête. Si jamais c'est trop dur ou trop facile, prenez les options que je vais vous proposer pour soit augmenter ou diminuer l'intensité. Puis aussi, vous pouvez prendre des pauses n'importe quand, même si je ne le dis pas, même si on n'est pas dans 10 secondes de pause. Si vous en ressentez le besoin, que vous voulez aller prendre une gorgée d'eau, allez-y, il n'y a vraiment aucun problème. Le but, c'est d'avoir du plaisir, donc de garder une intensité là, qu'on est capable de suivre. L'entraînement en circuit, on va le diviser en 3 blocs. Donc, 3 blocs qui vont s'appeler A, B et C, tout simplement. Donc, mon bloc A, ça va être demain pour tous les blocs, mais je vais vous parler du bloc A. Ça va être 4 exercices. 4 exercices de 50 secondes avec 10 secondes de pause entre chacun et on va les faire chacun 2 fois. Donc, ça va durer 8 minutes par bloc. À la fin de mon bloc, on prend une minute de pause pour récupérer et on a le bloc B et C qui vont suivre avec aussi 4 exercices chaque, mais qui seront différents, que je vous montrerai à ce moment-là. Donc, ça va bien se passer, mais il faut simplement bien doser son énergie, puis on va être capable de tenir jusqu'à la fin. Les 4 exercices du bloc A, je vous les montrerai tout de suite. Je vous montrerai les variations là, en cours de route, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter ou diminuer l'intensité. Premier, ça va être l'esquive. Donc là, je suis en démonstration, pas besoin de commencer tout de suite, je vais y aller rapidement. Esquive, on a les pieds larges et on veut transférer le poids d'un côté à l'autre comme ça, donc de pointer. Et en même temps, je peux remonter avec un coup de poing en crochet. Par la suite, j'ai le power knee. Power knee, ça va être 25 secondes par côté. Donc, un pied devant, bien fixe, genou ne bouge pas. L'autre jambe est allongée. Je suis bien gainée au niveau des abdos. Et je vais ramener le genou comme ça vers l'avant avec un mouvement rapide. 25 secondes d'un côté, 25 secondes de l'autre. Je vais vous dire quand changer. Ensuite, j'ai un squat qui pourra être... je vais faire la version intermédiaire, squat pointe de pied. Donc, pied largeur des épaules, pousse les fesses dans l'arrière, remonte et pointe, monte la pointe des pieds ensuite. Descends et pointe comme ça. Puis le quatrième mouvement, c'est un jogging sur place. Donc, soit jogging comme ça ou un peu plus intense avec genou levé. Il y aura aussi l'option sans. Donc, on les fait 2 fois chacun. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et pause. On aura fini le bloc A. Fait que là, j'ai parlé pas mal, là. Ça me dit, mais ça va se passer comme ça, là, pour tous les blocs. Fait qu'à partir de maintenant, on prend plus trop de pauses. Et on va commencer 50 secondes en esquive. On place les jambes larges et c'est parti. Transfert de poids d'un côté à l'autre. Okay, comme ça, je commence doucement, là, pour que vous voyez bien le mouvement. Donc, c'est vraiment un déplacement, un transfert de poids de gauche à droite. Je plie les genoux et je pointe les pieds de chaque côté. Si je veux plus, je vais pouvoir aller chercher plus de vitesse, plus de profondeur aussi. Et on va toujours ajouter un coup de poing en crochet qui remonte de façon dynamique. Ça peut être vers l'avant aussi, là, ça dérange pas. Et moi, je préfère en crochet. Fait que c'est une préférence personnelle. 10 secondes. On regarde toujours loin devant. Dans 2, 1. OK. 10 secondes. Donc, on marche pendant cette pause de 10 secondes. Et on va partir avec le power knee dans 5 secondes. Donc, je vous rappelle, un pied devant solide, le genou ne bouge presque pas. L'autre pied vers l'arrière et c'est parti. 25 secondes par côté. Vous pouvez commencer doucement. OK. Ça, c'est l'option de base. Et ceux qui veulent plus, allez. On accélère les mouvements. Donc, ça travaille musculaire aussi dans la jambe d'appui, pas seulement en cardio. Parce qu'il faut la garder très stable. 5. Avant de changer de côté. 2. 1. L'autre côté. C'est parti. Donc, prenez le temps de regagner votre équilibre. Et on peut aller tout doucement, évidemment. OK? Chacun son rythme, c'est important. Il reste 10 secondes. On essaie de maintenir le même rythme tout le long. Et les bras doivent bouger. OK? C'est pas toujours évident la coordination au début, mais on essaie de les bouger. Stop! On marche.
Le prochain, on va être en squat avec pointe de pied. Donc, comme j'ai montré tantôt, pied largeur des épaules. Pousse les fesses en arrière. On part. Descends en squat, remonte et ensuite monte sur la pointe des pieds. Okay, si c'est trop à cause de l'équilibre, tu vas faire un squat sans pointe de pied. Et si tu veux plus, au lieu de faire la pointe de pied, tu vas sauter. Mais on absorbe le mouvement. Okay? Je veux pas que les genoux bloquent. Je veux que ça descende fluide, que ça absorbe. Donc, on prend la version de son choix et on essaie de la continuer jusqu'à la fin. Donc, quand vous êtes avec la pointe de pied, n'hésitez pas si vous voulez envoyer les bras vers le plafond. Même chose quand vous sautez. Okay, ça peut être le fun de varier les bras de temps en temps. Il reste 5 secondes. Chacun sa vitesse. Et comme je vous disais, on peut prendre des pauses à tout moment. 2, 1, marche. Good. Donc, on est rendu au jogging, au prochain mouvement. Avec le quatrième. Ensuite, pour refaire le tour une deuxième fois. Dans 2, 1, jogging sur place. C'est parti. Donc là, le jogging comme ça, c'est un jogging léger, donc assez classique. Ceux qui ont beaucoup d'énergie, qui en voudraient plus, hop, on va lever les genoux comme ça, bien haut, mais gardez le dos droit. Attention pour pas vous affaisser vers l'avant. On tire les épaules vers l'arrière et on garde le dos droit. J'ai aussi l'option sans impact hein, pour ceux qui veulent pas de saut, qui sera de lever les genoux simplement à la hauteur des hanches, comme ça. Donc, prenez ce que vous préférez là-dedans et on garde ça jusqu'à la fin. Il reste 5 secondes seulement. Let's go. 2, 1, on relâche. Et dans 10 secondes, on repart les 4 exercices qu'on vient de faire. 5 secondes. Esquive à faire comme tantôt, crochet au coup de poing. 2, 1, go. Et là, c'est pas grave, soyez pas stressés, là, si jamais vous avez été prendre une gorgée d'eau, vous avez le droit. OK, c'est pas grave, on se suit pas tout. Rembarquez quand vous êtes prêts, quand vous avez assez récupéré. Donc, esquive, on plie les genoux et tasse le poids du corps de gauche à droite. Et là, vous voyez, il y a une option sans bras. Si jamais vous avez des douleurs dans les épaules ou que ça devient trop maintenant à cause de la consommation, vous pouvez le faire les mains sur les hanches de cette façon-ci. Et la vitesse peut être plus lente aussi, il n'y a pas de problème. Il reste un bon 5 secondes avec l'esquive. Donc, la dernière fois qu'on le fait, c'est celui-là. 2, 1, OK, good. Donc, on est en pause, on marche sur place. Power knee avec un pied devant, ramène le genou devant. Engage les abdos, c'est important. Go! Donc, je vais y aller doucement pour commencer, pour vous rappeler le mouvement. Et il y a aussi l'option sans bras. Bien sûr, on peut mettre toujours les mains sur les hanches. Puis on peut aller plus vite quand on se sent à l'aise, quand ça va bien. Mais attention, le genou de la jambe d'appui, faut pas trop que ça bouge. 2, 1, change de côté maintenant. C'est parti. Bon, j'ai fait un demi-tour rapide, là, mais prenez le temps de bien vous placer. Donc, placez le genou bien fixe. On va porter les orteils derrière l'autre jambe et on ramène le genou devant. On imagine un peu, là, comme si on voulait casser un bâton sur son genou. Une image qui va nous aider à bien nous placer pour faire le bon mouvement. 2, 1, top, marche. Deux exercices avant la pause. Donc, dans 2 minutes, on a une pause. Squat avec pointe de pied ou avec saut. Ou squat normal. C'est parti. Descends. Remonte. Pointe de pied. Et on recommence. Pousse les fesses vers l'arrière. On va aller chercher une belle profondeur de squat. Mais si c'est inconfortable, qu'on n'arrive pas à descendre très bas, on peut aller à demi-amplitude. Il n'y a pas de problème. Et squat sauté. Si on est plus. Donc, un ressort dans les jambes pour monter et pour absorber. Et si tu veux pas de saut, évidemment, puis aller comme ça. On lâche pas, on garde ton option. OK, moi, je change beaucoup entre les différentes alternatives pour vous montrer. Mais vous, essayez de garder la même tout au long. Ça va être votre défi. 5. 2. 1. Marche.
Dernier exercice du bloc A. Pour le jogging, il nous reste 50 secondes. Dans 3, 2, 1, et go, c'est parti. Jogging comme ceci, léger, un peu plus intense, sans impact. Toutes les options sont bonnes. Si vous êtes ici, là, sans impact, juste faire attention à votre dos aussi pour pas vous enrouler vers l'avant. Restez droit et c'est les jambes qui lèvent. Il n'y a pas le dos qui vient vers l'avant. Et on va reprendre en jogging. De la moitié de fait pour le jog. Toujours avoir un mouvement de bras, ça peut aider. Surtout là, si vous êtes avec cette option aussi, les genoux hauts, pompez les bras. Et les jambes vont suivre. 7. 10. Allez jusqu'à la fin. On garde les abdos bien engagés. 3, 2, 1, et good, on marche. Et ici, on va se donner une minute de pause. Une bonne minute pour aller boire de l'eau. Good job, le bloc A est déjà terminé. Donc, ça pourrait être le plus cardio, je vous dirais. Je vous explique tout à l'heure, après la pause, le bloc B. Continuez de prendre votre pause, votre gorgée d'eau. Moi, je vais vous expliquer les exercices qui vont venir dans le bloc B. Donc, même principe que tantôt, 4 nouveaux exercices. On aura tout d'abord le push-up déplacement. Donc, il faut aller au sol. Option 1, ça va être sur les genoux. Donc, comme ça, sur les genoux, on rentre les fesses pour pas être à quatre pattes. Donc, un beau push-up, là, on devrait toujours être en position comme une planche. On descend vers le tête, vers le sol. On remonte. Et vous allez vous déplacer okay, d'un vers la droite, puis ensuite vers la gauche. Okay, on peut faire la même chose sur les pieds, de se déplacer d'un côté à l'autre. Si ça fonctionne pas, vous pouvez le faire un peu plus à quatre pattes, donc de sortir les fesses cette fois-ci, c'est le seul cas que je vais vous faire, mais de sortir les fesses en push-up pour avoir la version un peu plus facile. Donc on va chercher son déplacement quand même. Deuxième exercice, ça s'appelle le inchworm, pour travailler un peu plus l'arrière des cuisses, des ischio-jambiers. On part les genoux, les pieds, l'arrière des épaules. On essaie de pas vraiment plier les genoux dans cet exercice-là, donc de garder les jambes tendues et de descendre vers le sol. Ici, là, j'arrondis pas mon dos. Okay, regardez, je sors les fesses, mon dos reste droit. J'essaie de descendre les mains jusqu'au sol. Si ça se rend pas, là, placez vos jambes plus larges, ça va se prendre. Donc, on devrait sentir un étirement dans les ischio-jambiers à ce moment-là. Rendu les mains au sol, j'avance jusqu'en position planche. Et je remonte comme ça complètement, puis je déroule, puis on recommence. Ensuite, encore un squat avec un kick cette fois. Donc, squat, kick, on alterne. Puis le quatrième, c'est un ski de fond, comme ça. Option sans saut. OK? Je voulais le dire aussi au fur et à mesure. Fait que voilà pour le bloc B. On le fait deux fois aussi. Donc, on se prépare et on va commencer au sol directement. Push-up, déplacement. Donc, on part ça maintenant pour 50 secondes. Sur les genoux ou sur les pieds ou version un peu plus à quatre pattes. Descends, remonte en expirant, puis on se déplace. Ensuite, vers la droite ou vers la gauche. Okay, on essaie d'en faire peut-être un à droite, un à gauche, ou deux à droite, deux à gauche. Mais essayez que c'est toujours bien équilibré, donc pas mal de garde des deux côtés. Et si vous êtes sur les pieds, puis que ça devient difficile parce que soit le bassin twiste trop, ou que le dos creuse, ben, je vous invite à simplement déposer les genoux au sol. 3. 2, 1, good. Ensuite, on se relève. Inchworm, comme je vous disais, on part les pieds largeur des épaules. On essaie de pas trop plier les genoux. On écarte les jambes au besoin. Sors les fesses pour descendre. Pousse les fesses en arrière. Le dos plie pas trop. Jusqu'à ce que j'ai plus le choix. On va porter les mains au sol. Avance. Sans trop twister le bassin.
position planche. Remonte en marchant avec les mains. OK, déroule. Et on recommence. OK, prenez votre temps. C'est normal que ça tire derrière les cuisses. Et quand on est rendu en avant, on ne veut pas creuser le dos. OK, on veut garder une belle position planche comme ça. Donc, creusez pas comme ça. Ça, c'est un mauvais exemple. Donc, gardez les abdos bien engagés. Déroule et recommence. Restez 10 secondes. Et good! On marche sur place. Pause de 10 secondes. Notre prochain, c'est un squat et kick devant. Donc, le squat peut être pleine amplitude ou demi, selon votre préférence et votre intensité que vous ressentez. Puis, largeur des épaules. Et c'est parti. Descends en squat. Remonte. Kick devant. Ramène et recommence en squat. Là, je le fais très lentement. Puis, on va accélérer tantôt. Vous pouvez déjà aller plus vite. Avec le coup de pied, on va essayer de faire un coup de poing toujours. Du bras opposé, hop! Et des fois, quand on va lent, c'est plus dur pour l'équilibre. On peut faire un peu plus rapide. Prenez votre temps. Et si ça ne fonctionne pas, squat kick, faites juste les kicks. OK, comme ça, devant. Et on essaie de combiner les deux. Hop! Et on veut toujours, évidemment, coup de pied, coup de poing, dynamique. Bras jambes opposés, pas du même côté. Dans 3, 2, 1, on marche. Alright. Prochain mouvement, quatrième, c'est le ski de fond. On a l'option avec saut, bras jambes opposés, ou bien l'option sans saut qui va être de pointer derrière avec un mouvement de bras. 2, 1, c'est parti. Bras jambes opposés, option avec saut ici. On fait des grands mouvements de bras, donc flexion à l'épaule, et l'option sans saut ici comme ça. OK? Pointe les orteils derrière. Tout en gardant, par exemple, un bon gainage au niveau des abdos. On lâche pas. Mais la moitié de fait pour le ski de fond. On continue dynamique. Avec sans saut. Un ou l'autre. Pour 10. On lâche pas. Regarde le rythme. Let's go. 3. 2. 1. Et on s'arrête en marche sur place. Good job! La moitié du circuit B est faite. Donc, on a fait les exercices une première fois. On les refait pour une deuxième. Donc, 4 minutes à faire. Ça va au sol. Et reprend push-up plus déplacement. C'est parti. Push-up. Vers le sol. Pas besoin de toucher au sol. Hein. Puis, on se déplace. On remonte ensemble. Et si le déplacement est de trop, restez sur place, faites des push-ups classiques là, sans déplacement. C'est correct. N'oubliez pas qu'il y a l'option aussi comme en boîte, qui est l'option à quatre pattes, et il y a l'option plus difficile, plus avancée, sur les pieds. On va toujours souffler l'air, donc expirer à la remontée. Il reste 5 secondes. 2, 1, on relâche, puis le suivant, on est rendu au inchworm. Je regarde ma liste d'exercices pour bien m'en souvenir. Donc, inchworm, les pieds largeur des épaules, ou plus large au besoin. Descends les mains, on plie pas trop les genoux, arrive au sol, marche, avance avec les mains, sans trop twister le bassin, jusqu'en position planche, et remonte. Je vais me reculer un petit peu. Donc, engage bien les abdos en tout temps. On déroule au complet. Et on lâche pas, c'est pas grave, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup. Il reste 10 secondes. Marche. Marche les mains. Sans creuser le dos. Sans twister le bassin. 2, 1, et good. Prochain mouvement dans 10 secondes. On y va avec le squat et kick, ou le kick tout seul si ça ne fonctionne pas les deux ensemble. Donc c'est parti. Comme ceci, largeur des épaules. Pose les fesses en arrière. Remonte. Coup de pied. Ramène. Redescends. L'autre jambe. Hop. Et
Coup de poing du bras opposé. Coup de poing dynamique, non pas un coup de poing qui va tranquillement comme ça vers l'avant. On va chercher un petit peu plus. Donc on frappe, on punch une cible imaginaire. Let's go! Et si ça marche pas, avec les bras, vous pouvez garder les mains sur les hanches et continuer le mouvement de jambes, tout simplement. Et si ça marche pas avec le squat, on fait juste les kicks. J'ai plein d'options. Devrait en avoir une qui vous convient là-dedans. Toujours bras jambes opposés. Dans 3, 2, 1, on marche. Et good! Il va nous rester seulement un exercice avant la pause. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Et encore l'option de votre choix. Option sans saut. On a toujours bras, jambes opposés devant. Option avec saut, je veux dire. Option sans saut, comme ça, pointe derrière. Et les deux bras peuvent aller en même temps devant, ou si vous voulez, ça peut être seulement un bras aussi. On garde l'option de son choix jusqu'à encore 15 secondes. Après ça, on a une pause. Let's go. On lâche pas. On y va jusqu'à la fin. On tient ça. Let's go, let's go. 5. Ça achève. 3, 2, 1. Repos. Hey, good job. On va voir une bonne gorgée d'eau, une minute de pause. Et il nous reste le bloc 5 à faire. Continuez votre repos. Je vous montre tout de suite les exercices du bloc C. 4 nouveaux exercices. Premièrement, mini squat, donc mini déplacement de côté. On va rester en position basse, centre de gravité bas, et on va se déplacer d'un côté à l'autre. C'est mon option 1. Option 2, un peu plus facile, on va rester plus haut. Et option 3, plus difficile, bas, mais plus rapide. En pas chassé. OK? Ensuite, fente. Fente avant, toujours du même côté. Donc, on va placer une jambe en avant, comme ça. L'autre pied sur la pointe derrière. Donc, c'est important d'avoir une grande base de support. On va rester 25 secondes de ce côté-ci. Puis, on monte et descend. Ça peut être nécessaire de vous tenir à quelque chose, soit un mur ou un dossier de chaise, pour vous aider avec votre équilibre. On essaie d'aller chercher 90 degrés, mais si ça fonctionne pas, allez-y à plus faible amplitude. Je vous indiquerai le changement de côté, puis on fera 25 secondes de l'autre jambe aussi. Oui, puis c'est pour ceux qui veulent un petit peu plus, là, ça sera la fente sautée, comme ça, avec des springs, sans que le genou touche au sol, par exemple. Après, on s'en va au sol avec un mountain climber pour les obliques. Donc, je m'installe en planche sur les mains. Puis, ce que je vais faire, c'est une planche sur les mains avec le genou vers l'intérieur. J'emmène le genou vers la main opposée. Comme ça. Si ça fonctionne pas, tu vas rester en planche sur les genoux et tu peux ouvrir légèrement vers l'extérieur, comme ça. Il en reste un. Le pont sur une jambe. Donc, le pont couché sur le dos pour les fessiers. Donc, beaucoup de changements de position à faire dans ce bloc. Une jambe en l'air, une jambe au sol. La jambe ici bouge pas, fait juste suivre le mouvement. Donc, hop, c'est les fesses qu'on lève, qu'on décolle du sol. 25 secondes par côté. Voilà ce qui s'en vient. Alors, on repart ça. Premier exercice, les mini déplacements de côté pour 50 secondes, c'est parti. On descend bien bas pour commencer le plus bas possible et on se déplace d'un côté à l'autre. Donc, pas nécessaire de faire des pas qui sont super larges, ils peuvent être tout petits, comme ça. Et quand ça va bien avec les jambes, on rajoute un mouvement de bras. Vous pouvez y aller soit comme ça en alterné, ou vous pouvez y aller les deux bras ensemble aussi. Là. Prenez ce qui est le mieux pour vous. Donc, on n'oublie pas qu'on peut remonter un peu plus haut,
si on a de la fatigue qui s'accumule dans les cuisses. Et si on veut un petit peu plus d'intensité, on va descendre et chasser d'un côté à l'autre. Donc moi, je fais beaucoup d'allers-retours, là, parce que j'ai pas beaucoup, j'ai pas plus d'espace. Mais si vous savez, par exemple, un corridor, vous pouvez l'utiliser. On marche pour 10 secondes. Le prochain, on est en fente. 25 secondes par côté. Un grand pas devant, un grand pas derrière, sur la pointe derrière. On veut pas que le genou dépasse les orteils. Et descend 90 degrés si possible. Sinon, descend un petit peu moins. Garde le dos droit en tout temps. Vous pouvez se tenir aussi. Il reste 10 secondes de ce côté-là. Et n'oubliez pas, hein, option plus intense. On la saute dans 3, 2, 1. Change de côté. On prend le temps de se réinstaller. Prends l'équilibre. Pointe de pied derrière. Descends jusqu'à 90 degrés si possible. Garde le dos droit. Et regarde loin devant. Okay, on ne veut pas s'incliner vers l'avant. On veut toujours garder les épaules reculées vers l'arrière. Restez 5 secondes. Okay, on peut descendre moins. On peut sauter. Dans 2, 1. On relâche. Et on va aller au sol avec le mountain climber pour les obliques. Position planche sur les mains. On s'installe. Soulève pour 50 secondes. Croise le genou sous le corps, sous la poitrine pour aller le diriger vers la main opposée. Okay, c'est pas un mouvement qui va très vite. Ce qui est important, c'est de contrôler le bassin pour pas que ça tombe d'un côté ou de l'autre. On veut toujours que ça reste droit. Et attention à la position des mains. On veut pas se ramasser comme ça. Okay, on veut que ça reste toujours sous les épaules. Et option plus facile, si ça convient pas, on est en planche sur les genoux, puis on ouvre comme ceci, de côté légèrement. On peut même laisser tomber l'ouverture si déjà là c'est trop. Fait qu'on garde l'option, il reste 10 secondes. On respire, on bloque pas la respiration. 3, 2, 1, relâche. On peut rester au sol parce que le prochain est couché sur le dos, donc faire un mouvement de moins. Faire une transition plus facile. On va sur le dos. 25 secondes par côté. Soulever le bassin. OK? Une jambe levée. Et on lève les fesses. Puis on descend. Donc, on va essayer de ne pas déposer complètement les fesses sur le tapis, sur le sol. OK? On va essayer de garder toujours une petite distance. Si toutefois, ça devient difficile, ben là, tu peux déposer au complet. On change de jambe ici. Donc on se replace bien stable, on essaie de contrôler le mouvement au niveau des hanches. Quand vous êtes prêts, okay, vous pouvez avoir les mains sur les hanches, vous pouvez les avoir ici aussi pour avoir plus de stabilité. Plus on est large, plus ça va vous aider dans votre stabilité. 5. On lâche pas, on peut déposer aussi quand on veut. 2, 1, et stop. On relâche, on va se relever. Dernière fois le circuit, 4 minutes d'effort à faire. Après ça, on a fini. Mini squat, mini déplacement. Descends le plus bas possible. Déplace. À côté, c'est le temps d'aller dans votre corridor si vous en avez un. On bouge les bras. Dès que les jambes sont intégrées, on bouge les bras. Comme ça, un après l'autre ou les deux en même temps. Garde les bras dynamiques aussi. Et chassez. Pour ceux qui veulent encore plus. Restez 20 secondes à faire. On tient ça. On reste le plus bas possible. C'est pas grave là, si ça va pas vite, on en fait pas beaucoup, mais on va essayer d'aller chercher beaucoup d'amplitude. 10. Let's go, on tient ça. Jusqu'à la fin. 3, 2, 1. Et relâche. Marche un peu, 10 secondes. Parce qu'on a un autre exercice de cuisse, donc on veut faire passer un petit peu la fatigue en marchant. Un pied en avant, n'importe lequel. Stabilisation. On est en fente. On descend, c'est parti. Et on remonte. Dos droit. Regarde vers l'avant. Le genou dépasse pas les orteils. Et on lâche pas. Good. OK, c'est pas grave si on le fait pas super vite. L'important, c'est d'être bien stable. Et ceux qui veulent encore plus, on n'oublie pas qu'on peut le sauter. 2, 1, change de côté. Même chose. C'est parti. On se fait quelque chose si nécessaire.
peut garder les mains sur les hanches aussi, ça peut être un truc pour avoir un équilibre. Dos droit, on se penche pas vers l'avant. 5. Dans 3, 2, 1. Et relâche. On marche un peu, ensuite on descend au sol. Mountain Climber pour les obliques. On s'installe en planche sur les mains sous les épaules. Qui est bien important de ne pas les avoir trop vers l'avant. On monte et on part. Position planche pour commencer. Quand on l'a, on est bien placé. On intègre genou vers l'intérieur. Et attention, il n'y a presque pas de mouvement aux hanches. Option 2. Je la rappelle, les genoux au sol. Avec une petite ouverture qu'on va aller vers l'extérieur cette fois. OK? Et cette fois aussi, pas trop de mouvement au niveau des hanches. Let's go, on ne lâche pas. Toujours avec l'option de son choix. 10. Respirez. 2. 1. Et relâche. Reste au sol. Oh, c'est le dernier déjà. Donc, le pont à une jambe. Sur le dos. Écarte les bras. Une jambe en l'air, une jambe, un pied au sol. Et on soulève. Et on redescend doucement. Donc, c'est pas cette jambe-là là, qui fait ça. OK, il n'y a pas de mouvement de nage là-dedans. C'est vraiment au bassin que ça part. Puis la jambe qui est surélevée, elle va juste suivre le mouvement qui est initié par les hanches. Change de jambe. Puis on dépose, allonge la jambe, on reste bien stable, contrôle le bassin autant que possible. Puis avoir les deux bras ici allongés de chaque côté. Si ça va bien, c'est de ramener les mains sur les hanches. Et si ça va encore très bien, essaie de ramener les mains en haut comme ça. Ça va être beaucoup plus instable. 3, 2, 1. Et relâche le tout. Good! On est en pause. Hey, good job! On a fini de bloc C. Donc, ça fait déjà 24 minutes. On a passé notre grosse section des circuits 50-10. Good! Fait que j'imagine que vous avez chaud à ce moment-ci. Dites-moi comment vous sentez, comment vous avez trouvé la portion centrale. Donc, prenez 30 secondes pour m'inscrire ça dans les commentaires. J'aime toujours ça avoir du feedback de comment vous avez trouvé ça. Profitez-en aussi en même temps pour prendre une belle gorgée d'eau. C'est ça que je vais aller faire aussi. Puis, on revient pour le retour au calme de 4-5 minutes pour bien finir la séance là, en douceur. Donc, gorgée d'eau et on revient. Donc, il nous reste le retour au calme. Je vois que dans les commentaires, vous trouvez qu'il fait chaud. Parfait, c'est ça l'objectif, c'est ce qu'on voulait. Bien contente de savoir si ça a travaillé fort. Donc, on va commencer ça là à l'instant, nos étirements, retour au calme. Prenez le temps de descendre au sol. En fait, on va commencer avec des exercices sur le dos. Fait que soit si vous avez un tapis ou une serviette, vous pouvez vous installer comme ça. Premier exercice. On va descendre, coucher sur le dos, garder les pieds à plat. Juste me reculer un peu pour être certaine que vous voyez comme il faut. Donc, les pieds à plat. Et on va même coller les pieds, coller les genoux aussi. Ensuite, descend complètement sur le dos. On peut se laisser bien relax. Et on va allonger les bras comme ceci de chaque côté. Ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'on va descendre les deux genoux ensemble du même côté. On les laisse tomber vers le sol pour aller ressentir un étirement derrière, dans les obliques, peut-être même jusque dans la fesse. Puis on tient cette position-là. Donc, quelques secondes. On va faire 25-30 secondes par position. Remontez doucement au centre. On va de l'autre côté. On laisse tomber les deux genoux ensemble.
du même côté. On tient ça, on en profite pour bien respirer et chercher des grandes respirations. Et si l'étirement est trop important, là, remontez un petit peu vos genoux pour que ça soit, que la sensation soit moins importante. OK, on remonte les deux genoux au centre. Et maintenant, restez sur le dos. Allongez vos jambes au complet. OK, bien couché sur le dos. Et on va aller porter les deux bras aussi au-dessus de la tête. Et on va s'auto-agrandir tout simplement. Donc, on s'allonge le plus possible. Pour être le plus grand possible. Et on tient ça. On pousse les bras et les jambes le plus loin possible de soi. On garde des belles grandes respirations. OK, on va relâcher. On revient relax. Ramenez les genoux à la même position que tout à l'heure, donc genoux fléchis. Et on va faire l'étirement du fessier. Tout simplement amener une cheville sur le genou opposé comme ça pour avoir cette position-ci. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que la jambe qui était restée au sol, vous allez la soulever et la ramener vers vous. Vous pouvez la ramener simplement comme ça, sans utiliser les bras. Si vous voulez encore plus, allez la chercher en passant vers le centre, là, agripper le derrière de votre cuisse et tirer vers vous. Quand on veut se sentir l'étirement, on a la fesse de la jambe qui est pliée. Fait que plus vous allez ramener vers vous, plus ça va tirer. Fait que prenez une sensation qui vous convient. Si c'est trop, juste à ramener un petit peu. Et si c'est pas assez, on va chercher plus loin. On ramène, on se replace, même chose de l'autre côté, cheville sur genou opposé, et on lève, on tire la jambe vers soi. OK, on peut la laisser juste activement monter la jambe, ou passivement, donc d'aller la chercher avec les mains pour aller chercher une plus grande amplitude et ainsi là, créer plus d'étirement au niveau de la fesse. Good. On va relâcher doucement, amener les pieds au sol. On se relève aussi, on va se rendre en position assise. Qu'on s'assoit. Pour l'étirement des ischio-jambiers, derrière les cuisses. On s'assoit de cette façon-là. Une jambe allongée, une jambe un peu plus ramenée vers vous. Ça peut être comme ça, elle peut être un peu plus loin aussi, là, dépendamment de votre flexibilité. C'est pas grave. Okay, c'est pas ça qui est important, c'est la jambe qui est ici. Donc, on garde le dos droit, première des choses. Avec la jambe allongée, commencez par ramener le plus possible les orteils vers vous. Et déjà là, une sensation d'étirement qui arrive derrière la cuisse. Avec les mains, ensuite, on descend vers les orteils comme si on voulait aller les attraper. Pas besoin de se rendre, juste à vous incliner sans nécessairement arrondir le dos. Donc, on s'incline et juste un petit peu, là, vous allez sentir que ça tire derrière la cuisse. On relâche. Et on fait l'autre côté. On termine avec ça. Donc, tire les orteils vers soi. On allonge la colonne. Et on s'incline vers l'avant. Comme si on voulait aller toucher les orteils. Puis on sent bien l'étirement à l'ischio-jambier. Si on veut plus, on s'incline plus. Si on veut moins, on s'incline moins. Donc, on va chercher la sensation qu'on veut. Quelques secondes à tenir. Et on va relâcher tranquillement. Good. Vous pouvez rester assis quelques minutes, prendre le temps de bien relaxer, de boire de l'eau. Donc, avec moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous félicite pour avoir fait cette belle séance. C'est une séance qui était longue, qui avait beaucoup d'exercices, plusieurs répétitions. Donc, il a fait chaud. Et que super, un beau travail là, à tout le monde qui ont complété l'entraînement.
N'hésitez pas encore une fois à commenter, à partager la vidéo aussi à vos amis. Puis, je vous invite toujours à être là, à tous les jours cette semaine, donc à 11h. Vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook de Kinatex. Donc, demain, ça va être donc mardi yoga avec Marilyn. Et pour ma part, moi, je reviens jeudi pour un prochain entraînement. Donc, les entraînements sont offerts toute la semaine. N'hésitez pas à vous connecter, puis à vous entraîner, à bouger avec nous. Donc, une belle fin de journée à tous et merci d'avoir été là.